Now I will have my revenge, and the world will burn in an inferno of hate! Revenge on Umbrella. Resident Evil Zero. Ok, paf, ça je laisse ça ici. Bon. Bon, j'ai réussi, j'en suis revenu là où je suis mort avec les liqueurs, les hunters. Sauf que j'ai dû tout recommencer, les deux joyaux sans su, tout, absolument tout. Rien n'était fait, j'avais fait la sauvegarde avant en fait. Donc j'ai dû tout recommencer, ça m'a permis quand même justement de prendre toutes les bouteilles et tous les trucs avec Rebecca. Notamment, tu sais, tu te rappelles la petite bouteille qu'il y avait sur l'étagère là, avec la sangsue qui me barrait le chemin pour la clé. Là, en forme de sangsue bleue, pour justement pour la donner à sac à dos. Enfin, justement, j'ai réussi à prendre la bouteille, ce qui fait que j'ai plus de kérosène, mais j'ai absolument tous les cocktails Molotov possibles. Voilà. J'ai même réussi à passer pour prendre cette fois-ci la sangsue clé pour Rebecca avec Billy, juste en me faisant graille une fois, mais justement, je lui ai donné le spray soin. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et franchement, j'ai réussi à gagner plus de balles que tout à l'heure, donc ça va. Donc maintenant, en fait là, maintenant le truc c'est de savoir c'est est-ce que je peux passer les hunters sans me soigner, parce que le truc c'est que j'ai laissé la sangsue, voilà, je l'ai laissé en bas, je l'ai pas tué avec Billy. Parce que j'ai compris qu'en fait quand ils étaient en forme de Marcus, ils sont pas encore agressifs. Allez, go. Allez. Je cours. Cours. Oh ! Un papier. Rapport sur les ABO. Je l'avais pas vu le papier. Les recherches démontrent... Je crois que je vais mourir à cause de ça en plus. Les recherches démontrent que lorsque l'on administre le virus progéniteur à un organisme vivant, de violentes mutations cellulaires provoquent une défaillance du système. De plus, personne n'a trouvé de méthode satisfaisante pour contrôler les organismes afin de les utiliser comme armes. Il paraît clair qu'une meilleure coordination au niveau cellulaire est essentielle pour assurer une croissance durable. J'ai mené un certain nombre d'expériences afin de trouver une solution. Voici mon rapport. Insectes. Ces animaux anciens sont génétiquement stables depuis des millénaires. Est-ce pour cela que l'administration du virus progéniteur provoque une croissance explosive et un tel regain d'agressivité? On les imagine difficilement en tant qu'armes bio-organiques. Amphibiens. L'inoculation du virus chez la grenouille provoque un allongement des seaux et une croissance anormale de la langue. Cependant, les capacités mentales n'évoluent pas. Par ailleurs, le sujet est pris d'un appétit dévorant qui le pousse à s'attaquer à tout ce qui bouge. Utilité limitée en tant qu'arme bio-organique. Mammifères. Le virus progéniteur a été associé à de l'ADN cellulaire de singe. La fertilité s'est accrue et les jeunes ont fait montre d'une plus grande agressivité, ainsi que des capacités mentales supérieures. Les sujets sont atteints de cécité, mais leurs capacités auditives se sont développées pour contrebalancer cet inconvénient. Les singes sont aveugles. Cependant, ils ne sont pas efficaces en tant qu'arme. Apparemment, aucun progrès n'est possible sans utiliser d'organismes humains. Oh, il m'a épargné. Oh ce con. Oh, je reviens plus jamais. Sayonara, bande de bitch. Ok. Attends, y a personne. Non, parce que lui, je surveille, hein, lui. Je le vois, hein. Je le vois arriver. En vrai, je serais capable de refaire une sauvegarde, là, parce que réussir à passer les hunters comme ça sans me faire toucher... En fait, ce que j'ai peur, c'est que c'est un coup de chance. Et que si je réessaye, bah, je me fais enculer pendant 10 chargements possibles. Enfin, sur 10 chargements de partie. Bon. Sinon. Hop, tiens. Sac à dos. La porte en dessous. Je vais quand même reprendre ça.
que là j'ai de la place. Et il y a un zombie dans cette pièce assis, donc je fais pas confiance. Rebecca, alors, en attention, c'est bon aussi. Je me mets ici. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucun danger potentiel. Et on passe sur sac à dos. Voilà. Merci. D'ailleurs, attends, il n'y a pas un truc à examiner comme ça ? Un cadran ordinaire semblable à ceux des coffres forts. Pourquoi pas? Par contre là, il va falloir que je le tue. Oh attends. Je serais capable de faire une sauvegarde en fait là. Parce que j'ai pas envie de me faire toucher avec sac à dos. Mais vraiment pas. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai sauvegardé mon progrès avec les hunters. Et un try pour la sangsue. Enfin, pour les clones, on va appeler ça des clones. Ce sera plus simple. S'il te plaît, lance. Oh putain, mais le temps de sortir un cocktail. Allez, allez, sac à dos. Allez. Oh mais putain! Non mais là ça va être un retry en fait. Ça va? Non ça va, je suis encore en hockey. Non ça va. Ça va. Ça va. Si tu peux rentrer à combinaison mais il manque une pièce. Ouais. On l'a remarqué, c'était la même porte à étage sauf que pour la porte de Rebecca. Hop, le truc était par terre et cassé. Je pense en plus que je l'avais mentionné. Je me rappelle plus de la combinaison. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme. Ok, je me rappelais plus de ça. Conformément aux ordres du docteur Marcus, je lui ai demandé de venir le code. Ah oui. Oui. Oui, c'est bon. Non, parce que j'ai fait une pause entre le moment où je me suis fait gangrer par les hunters et cette session. 4, 8, 6, 3. 4, 8, 6, 3. Allez! Alors. Quatre, huit, six, trois. Oh là là, je suis un putain de génie. Maybe I could use this. Rebecca here. Okay. Wow. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Okay. les gars, vous avez pas besoin d'un talkie-walkie. Parce que, en fait, vous êtes littéralement l'un au-dessus de l'autre. Voilà, hein. En fait, je peux te voir, hein. C'est le jeu qui décide. Attends, regarde. Si je me mets là. Attends. Si je me mets ici. Voilà, normalement Rebecca, tu devrais pouvoir le voir, même lui parler. Et ouais, voilà, exactement. What the fuck? Ah là là. Ça, j'en ai rien à foutre. Oh non, merde. Attends. On va ressortir. Non, justement, je voulais tuer la sangsue, enfin le clone. Justement pour ramasser les herbes que cette fois-ci j'avais pas ramassé. Voilà. Hop, merci. Merci.
Voilà. Là, y a pas de souci. Là, par contre, j'ai vidé l'endroit. Y a absolument plus. Non. S'il y a encore quelque chose. C'est bon, je me rappelle. J'ai pas pris le fusible. Dans le bureau, là où il commence à avoir une cinématique où il lit. C'est un levier. L'actionner. Pourquoi pas. Et bah voilà, je peux rejoindre les deux bouts. Tac. Hop, voilà. J'arrive. Rebecca, en fait, elle était gentille avec sa cadeau. Genre, oh, t'as trouvé un cable car? Waouh, super, bien joué, sa cadeau. En fait, elle est juste au-dessus, elle le voit clairement. Voilà. Come on. Yeah. Alors. Tac. Hop. Échanger. Merci. Hop. Combiner. Voilà. Et tu gardes la plante rouge. Merci bien. Tu sais quoi? Non, j'ai assez de place. I'll go. Ok. Je peux même te demander de rester ici maintenant. Oh, d'accord. Ok. J'ai compris. Ça, c'est quoi, ça? Oula, attends. Oula, j'ai pas envie de prendre des... Ça ressemble à quoi, ça? C'est une batterie, quelque chose comme ça? Oula! Attends. Ce que je vais faire... C'est... Je vais... Attends. Ce que je vais faire, c'est je vais remonter. Voilà. Je vais chercher le grappin. Et je vais redescendre et je vais d'abord faire ça. Parce qu'à mon avis, il y a des objets d'importance. Ça va me permettre de déverrouiller la porte. Et au pire, je trouve des commandes qui me permettent juste d'actionner le bousin. Mais à mon avis, ça, je pense pas que ce sera le cas. Parce que je pense que c'est juste pour continuer la suite et que t'as besoin des deux personnages dans le tramway. Enfin, le funiculaire. Et après, je commencerai à ramasser les merdes et tout le bousin. De toute façon, il me manque le fusible. Je pense sincèrement pas que je peux aller très loin sans le fusible. Et par pitié, dis-moi que c'est la dernière fois que j'ai besoin du grappin. Par pitié, ce truc, ça prend deux places, c'est chiant, il faut que je le trimballe partout. Voilà. Il me reste même un ruban pour sauvegarder. Quand j'aurai absolument tout fini, je sauvegarderai vite fait. Tac. Je me demande s'il va me demander de le supprimer. Bah oui, c'est vrai, je peux pas retomber dans le trou. Non, mais je suis obligé de le garder. Hein. Non, mais sors pas. Oh, non, d'accord. Ah, d'accord. Parfait. Alors, cette machine régule l'alimentation électrique. Vous pouvez l'utiliser pour remettre le périphérique en marche. Ah, et il faut le... Ok. On voit le gros trou, c'est exprès pour la bobine. La bobine électrique, je pense que ça s'appelait comme ça. Ok. Il n'y a rien d'autre? Non, d'accord, c'est vraiment pour continuer l'histoire, d'accord. Bah pourquoi pas? Alors, je pose ça. Dans le doute, je vais prendre le dernier ruban, je vais sauvegarder. Je pense pas qu'il me reste beaucoup à faire.
Attends, fais voir les inventaires. Ouais, il me reste une place. Il faut que j'aille chercher les munitions de Magnum. Oui, parce que hors de question que je les oublie, celle-là. Je prends mes munitions, je reviens avec Billy. Après, je sauvegarde avec Rebecca. Je vais remplir ma... Voilà, ma fiole avec ce bidon rouge que j'ai pas fait à l'étage. Et j'irai chercher la bobine. Allez, merci. Voilà. Ouf. Par contre, j'ai l'impression que le funiculaire, il descend encore plus profond. C'est pas que ça m'inquiète, hein. Y a rien qui m'inquiète, moi homme, moi fort. Mais quand même. Avec un brelan, on sait jamais, hein. C'est un trou sans fond, le bordel. Ok. Oh, j'ai eu un vertige, là. Oula. Pendant un moment, je me suis dit... que j'avais pas lancé l'enregistrement. Oula, j'étais mal. Oh, la boule d'anxiété que j'avais dans le bide, là. Pouh. Ah, je te jure, je me sentais mal, hein. Ça m'est arrivé quelques fois, en plus, de pas lancer l'enregistrement. Surtout sur quand je fais des jeux de combat et trucs comme ça. Ça fait 2 heures que je joue d'affilée. Bon, je m'amuse, tu vois. Mais il y a le côté du... tout le contenu perdu. Et en plus, souvent, quand c'est des bonnes sessions, c'est dévastateur. C'est quoi cette merde? J'ai pas envie de le prendre si ça déclenche un truc. De toute façon, il me reste de place. À part si c'est un objet qui prend de place. Ce que je pense pas. Voilà. Quoi? Ah, je l'ai déjà fait. Oh bah, putain, je suis vraiment quelqu'un de vraiment prudent, on va dire. Je me dis tellement, non mais tu vas l'oublier, fais-le déjà maintenant. Et je me dis, non mais je suis pas aussi prudent que ça, je l'ai pas fait. Et je l'ai fait, et à chaque fois je me surprends moi-même. C'est incroyable. Voilà, bobine d'entrée. Oh, genre une cinématique avec Rebecca cette fois-ci. Ah ouais. Oh bah. Ouais, c'est super ça. That guy must be Marcus's son or grandson. Elle a l'air quand même moins conne que Billy, hein. Billy il fronce tout le temps les sourcils et on dirait qu'il comprend pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il comprend pas comment il fait pour respirer, tu vois. C'est un truc. Allez, on se barre d'ici. Enfin, on se barre d'ici. Rebecca, elle finit dans le 1. Juste après, elle retourne au manoir. Il faut s'en rappeler de cette merde. Alors. Come on. Yeah. C'est quoi ça? Bobine de sortie. Ah. Faut pas les combiner? Non. Le courant semble coupé. I'll go check over there. Yeah. Ok. Gentil. Couché. Oh yes. Oh yeah, je peux monter comme ça. Alors, ça, j'imagine que c'est ça. Voilà. Ah non, là, c'est les deux au même endroit. Ok. Pas d'énigme. Ah non, ok, ok. Ça marche comme dans la vraie vie. Tu mets le côté, t'appuies sur le bouton, ça marche. Ok.
Le téléphérique a été activé. Oula, attends. Il y a beaucoup de lignes vertes à la Matrix là, c'est quoi? Non? Pas pour moi? Ok. Le grappin. Il m'a pas demandé de le jeter. Je le remets dans mon inventaire et là où on va, je le reposerai par terre juste après. Comme ça, j'aurai pas à faire tout le trajet si j'ai la possibilité de revenir avec le funiculaire. Ça me donnera au moins... Ça me fera gagner du temps, quoi. Parce que je le vois arriver le coup de pute. Et en vrai, je suis bien, là. J'ai un soin, j'ai un bon doliprane artisanal qui me mettra full vie. C'est excellent. Oh non. Non, mais dégagez. Aïe! Il a mon fusil. Oh non, c'est le mécanophile. Non. Ok, ça va. Je peux me soigner. Oh, j'avais peur que ça me... J'ai pas de cocktail. Je crois que tout a été éteint, non? Le courant. Le mec, il s'est un peu fait trop plaisir sur les commandes, en fait. Ok. C'est reparti. Putain, mais quelle horreur. Oh, je te jure. Allez, on se casse d'ici. Il était juste en face de l'échelle à droite. Il faut que je cours sur le mur en ligne droite et que je le longe après. Je peux pas esquiver ce coup. C'est... Merde de Dieu. Faut rester poli. Et je suis en attention. Merci, Pi. Le coup de bras est impossible à esquiver. Je pense que vraiment il est impossible à esquiver. Au moment où il le fait, il te autolock et c'est fini. Bonjour monsieur. Oh. Oh. Il est moche. Pourquoi tous les autres Resident Evil, le McDom c'est une arme Saint Graal et il a ultra de charisme. Là il est dégueulasse. Je veux dire, la première moitié, tu sais, le manche. Ça va, mais le bout du canon, c'est quoi cette merde? Ça va, monsieur? Il est dégueulasse, le Magnum. Un grand pistolet capable de tirer de puissantes munitions de Magnum. Oh, j'en ai 8 déjà de base. Non, c'est pas là. J'ai eu peur pendant qu'un moment, il me disait que j'avais besoin de Billy. Pour les télécommandes. Enfin, les leviers. Non, mais de toute façon, c'est bon. Hein. Vous inquiétez pas pour Billy. Hein. Il est tombé. Et moi, je descends. Enfin, je descends. On va dans le même sens. Le laboratoire de l'angoisse. Non mais... On en parle de cette merde là, le clone?
Il m'a refait perdre toute ma vie. C'est incroyable. Attends, Billy, il avait une plante. Billy a une plante rouge. On retient. Ah, par contre, le jeu là, pourquoi il met deux plantes vertes comme ça? J'ai peur. C'est juste pour que le jeu se rappelle qu'il y a des plantes ici. Voilà, c'est juste que si je vais sur la carte, je m'en rappelle. Mais attends, fais voir déjà aussi un peu mon inventaire. Non, mais c'est ça qui me casse les couilles, c'est le grappin en fait. Attends, il était marqué quoi? L'ascenseur à gauche. Carbarne. La pièce de contrôle. Toc toc. Porte rouillée dégueulasse. Hein. Et coulissante. Y a rien derrière. Oh merde. Ah si, je me rappelle de cette pièce. Oh merde. Ok. Évidemment, il fallait que je vérifie quand même. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. C'est un raccourci. Bon, les plantes, faut surtout pas que j'y touche. Et faut éviter que je me fasse toucher aussi. Donc là, j'ai pas hésité à balancer des balles de pistolet. Alors, le premier qui passe, il va bouffer. Putain, mais c'est clairement le même truc que Resident Evil 2. Ils se sont tellement inspirés sur certaines mécaniques. Certains décors de Resident Evil 2, c'est incroyable. Et je parle de l'original. Hein. Parce que cette pièce là, littéralement cette pièce avec le funiculaire, c'est littéralement Resident Evil 2. Hein. Mais c'est gringue, c'est Resident Evil 2! Attends. Non, mais on n'est pas à Raccoon City là. Oh là là. Pourquoi il me donne autant de soins là? Enfin, je crois connaître la réponse, mais oh là là. Non, parce que ça, c'est à s'y tromper. Resident Evil 2. Là, je suis avec Sherry ou je suis avec Aida. Il y a une serrure. Ok, bah oui. Bah oui, mais j'ai même pas besoin. J'ai pas besoin de la carte en fait. L'usine. Non, mais je connais déjà, en fait. Si les couloirs après, les couloirs métalliques, c'est les mêmes... Ah oui, forcément. Je l'ai posé maintenant, je vais en avoir besoin maintenant. Tu vas voir. Un ruban. Bon, je vais prendre le spray de soin en cas où. Et là, pour l'instant, tout ce que le jeu a réussi à faire, c'est de me donner envie de jouer à Resident Evil 2. C'est insultant presque, j'ai l'impression. Des casques de voyer. C'est les... Quoi? Un panneau de contrôle, il y a une serrure. Oh non. J'ai sortir. Oh non. C'est comme la chauve-souris. Non? Mais normalement, là. C'est un ascenseur. Voilà. Là, on a un gros trou hexagonal dans le sol. Voilà. J'avais oublié le parti ascenseur. Voilà. Et il y a une porte. Parce que normalement, voilà, ça mène au laboratoire dans Resident Evil 2.
là c'est à droite. Là, il y a un truc de contrôle, voilà. Il y aura des caméras de sécurité aussi. Et là, c'est à gauche. Et là, c'est un cul-de-sac. Voilà, c'est juste... Je connais l'endroit par cœur, en fait. Mais on est à Raccoon City, en fait. Ouais, là, dans Resident Evil 2, t'avais un tyran qui... Quelque chose est exposé. Pourquoi j'ai parlé de tyran ? Un humanoïde géant est en suspension du fluide bioorganique à l'intérieur d'une capsule. Ah ! Oh ! You bitch. Je suis mort ? Alors que j'ai gaspillé une balle. Non, je suis... On va dire que la balle de Magnum, je l'ai utilisée. On va dire qu'il est mort. T'es mort, mec. Dans mon esprit, t'es mort. Tu sais pas, mais t'es déjà mort. Et il pouvait pas s'en empêcher de foutre des hunters, là. Ok. J'aurais crisé si les balles de Magnum m'avaient pas suffi. Encore heureux que ça suffit une balle, quoi. Encore heureux. Non, mais là, on est à... J'en suis sûr, on est à Raccoon City, c'est pas possible autrement. Enfin, oui, on est dans les montagnes Harkley, mais... On est dans la ville. Ouais, voilà, là t'as le train qui monte, sauf que t'as pas le train. Mais il a l'air, en fait, en bien plus piteux état que celui de Raccoon City. Parce que ça, il y en a beaucoup aussi, si Resident Evil 2 Remake, ça a été coupé cette partie, en fait. Quand t'as atteint le laboratoire, ça a été coupé. Normalement, tu descends là, tu descends par ça. Voilà, t'as ces boîtiers là. Et t'atteins le... Et t'atteins même le poste de sécurité où tu poses chérie en attendant de trouver un remède. Et tu déambules dans les couloirs jusqu'après, à un moment, tu tombes sur le fameux... la plateforme centrale avec trois chemins possibles, avec un gros trou. Mais il y a eu plein de choses avant que t'arrives à ce niveau-là. Genre, le laboratoire est tellement fin dans Resident Evil 2 Remake. Regarde, normalement, là, t'as une salle de... Voilà, mais c'est... Bon. On va dire que Umbrella, justement, ils se sont basés sur les mêmes... Ouais, non, mais je sais exactement où je vais. En fait, dis-toi ça, c'est tout ce qui a été coupé de Resident Evil 2 Remake. En plus beau, hein. Là, t'as l'ascenseur central. Là, t'as une salle de repos. Sur la porte, est écrit salle de sécurité. Inutile de fouiller cet endroit. Oh non. Ça, c'est l'ascenseur. Rico. Don't shoot. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? Edouard est mort. Straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Mec, on a d'autres problèmes que ça si t'es. No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Daijo bu, capitaine. Daijo bu. Alright, just be careful. I never saw him again. Ouais, ok. Putain, c'est cinématique de ouf. Inutile de fouiller cet endroit. Là, t'as les fameuses portes qui se lèvent pour aller vers la partie centrale.
D'accord, ça c'est plus un... D'accord, non mais je comprends... Oui, c'est plus un clin d'œil pour Resident Evil 2 pour dire hey, « Eh, vous vous rappelez de ça ?» Là, on... bah, la zone, on l'a fait en HD. Ouais. Déjà exploré cette zone. What the fuck? Une clé nécessaire à la remise en route de l'ascenseur. Attends, j'ai raté un ascenseur. Oh! Ça, par contre, cette partie... fonctionne pas pour le moment. Non, mais c'est cette pièce ici, d'accord, la rouille. Putain, vraiment, ce jeu... Sérieusement? Veux-tu qui tu es? Oui, d'accord. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, hein, putain. Mais je sais, je crois... Non, c'est... Attends. Il y a de la pierre ici. Ouais, non, c'est ici que c'est bien cet endroit où ça va partir en couille pour mes fesses. Oh non. Non, je déconne. C'est l'ex-girlfriend de Wesker. Oh merde. J'ai pas de soin. L'ascenseur, prends l'ascenseur. Par pitié, Rebecca. Rebecca, c'est un prototype. Oui! Dodge! Il a pété l'ascenseur. Espèce de sale pute. Ah! Non! Pas avec elle! Oh là 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 là! Oh, ça va mal se passer. Ah non, j'avais pas utilisé. Retournement de situation, salope. Oh. 3. Ah. Retournement de situation. Elle m'a one shot. Putain de merde. J'ai rien pu faire. Je comprends pourquoi l'équipe Bravo s'est fait décimer. Enfin, pas décimés, ils se sont fait tous éclater en fait. À part Rebecca. Mais je comprends, tu vois, quand ils ont un chef comme Enrico qui en a rien à foutre. La seule chose qui l'intéresse, c'est... Il est où le criminel? Je comprends pourquoi ils sont tous morts. Et Rebecca qui a pas une seule fois mentionné que Edward est mort. Non mais ce serait intéressant, hein, vu qu'il fait partie de ton équipe. Ce serait intéressant de mentionner. Là, le jeu en plus qui m'enferme avec ce truc. Hop. Et là, le jeu, j'aime bien, il met du soin en prévision. Oh. Ouais, j'ai un petit coup de barre, là, je suis navré. Mais il met pas de soin, genre, juste pour le combat de boss. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de combat... Ouais, j'ai vraiment un coup de barre. Il y a beaucoup de jeux qui font... C'est un baril explosif, ça? Peut-être, hein. Non, c'est un baril normal, c'est juste la lumière. Non, c'est du décor. Mais il y a beaucoup de jeux qui te mettent, tu vois, des objets pour le combat s'il te manque des ressources. Mais ce jeu, il n'y en a rien à foutre. Hein. C'est, tu te démerdes, il fallait mieux y penser, quoi. Genre, qu'est-ce que je fais de mes 14 cartouches de pépon, quoi. Non, mais l'ascenseur est activé, on est d'accord. Attends. L'ascenseur ne peut pas... Oh! 2! 3! 4! Ah! Ah! Je me suis fait toucher! Non, mais je connais tes demi-tours à la John Wick, hein. Oh, je peux le stagger comme ça, c'est pas mal. Oh, la musique. Oh, la musique, il est en danger, lui.
Il a plus beaucoup de vie. Il a plus beaucoup de vie. Il m'a touché. Allez. Non. Je suis mort. Non, non, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai plus de balles. Attends, là, pas... je peux pas me permettre un temps de rechargement. Par contre, pourquoi il m'a one-shot tout à l'heure? Oh, au sol! Oh, 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 tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Prototype défectueux. Bah, je comprends pourquoi Wesker t'a plaqué pour l'autre. Hein. Non, mais plus quoi encore? L'usine à cauchemar. Non, mais je te jure. Est-ce que j'ai paniqué? Non. Oui. Est-ce que je pensais l'avoir tranquillement? Oui. Non. Non, j'avoue, il y a plusieurs fois, j'ai cru que les attaques allaient m'arracher la tronche. J'ai encore 9 balles. Mais je remonte pas... Attends. Là, je remonterai pas par hasard au centre de formation. Genre, à tout hasard, là où... je me suis crashé avec le train. Enfin, je me suis arrêté avec le train. Ah oui, non, mais j'ai une bonne mémoire. Non, non, mais ça, je m'en rappelle parfaitement. Oui, non, mais voilà, en plus, il y a des objets. Attends, c'est quoi exactement la liste d'objets? Couteau, bouteille... Attends. Il y a des zombies ici. Non. 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 En fait, là, ce que je veux, c'est trouver très vite une salle de sauvegarde pour faire quelque chose d'assez surprenant, qui est une sauvegarde. Et surtout trouver du soin, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Niveau 4. Oh non. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Ah, il se fait plaisir sur les écrans maintenant. Now nothing will stop me from getting my revenge. J'adore comment les cinématiques sont ultra courtes et se coupent d'un coup. C'est juste incroyable. La façon dont les cinématiques se ramènent dans le gameplay, c'est juste... Mais what the fuck? C'est tellement pas naturel. Oh! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ça t'a réveillé, c'est bon? Bon bah on va le poursuivre. Non mais j'ai pas de soin, merde. Non mais je remonte au niveau 2. J'arrive, sac à dos, hein, t'inquiète pas. Voilà, hein. Dernier étage. Hop, voilà. Non mais Billy, je l'abandonne pas. Et si je dis ça, c'est pas parce qu'il y a mon fusil à pompe, hein. Et mes balles de magnum, et mon herbe rouge, hein. C'est pas du tout pour ça. Tout sauf le niveau 2. Tout sauf le niveau 2. On retourne au niveau 4. On va suivre l'histoire. L'histoire veut dire salle de sauvegarde. Salle de sauvegarde veut dire un endroit où je peux me reposer. Le jeu va pas être pute. Le jeu va pas être pute. Si, c'est une pute. Mais il va pas être super pute et il va pas ne pas me mettre de soins après un combat contre un tyran. Il va pas mettre de soins. Non, parce que les hunters à l'étage 2. Non, fou, non.
Bon, les égouts. Il en fallait un. Je prends pas ça. Putain, je me suis fait peur. Bonjour. What the fuck? Panneau d'alimentation du barrage. En désignant un point d'alimentation électrique, il est possible d'alimenter n'importe quelle zone jusqu'à 2 points d'écart. Changer les points. Ouais, si tu veux. Oh. Ah, j'ai 3 points. Ok. Ouais, non. Ok, alors, attends. Gros cerveau. 2 points d'écart. Déjà, on va commencer simple. Là. Ça, c'est bon. Comme ça, ça... Je remplis le coin. Maintenant, ça, hein. Ça me permettrait... Bon, c'est bon, en fait. Oh, merde. J'ai peut-être fait une connerie. Parce que là... Ouais. Non, j'ai compris où est mon erreur. Jusqu'à 2 points d'écart, c'est-à-dire que si je pose là, ça va faire ça, là, là. Mais moi, ça, c'est pas ça qu'il me faut. J'ai 3 points, merde. Surtout que je comprends pas le numéro des salles, en fait. Je vois les noms à côté, tu vois. Mais là, c'est trop petit pour les salles en soi. Même si j'ai compris qu'il fallait remplir tous les trous. Je suis un homme, hein, je suis pas con. Mais je pense que ça, c'est un bon truc. Mais non, mais je suis con ou quoi? Il y a le dernier point. Oh, attends. Mais non, à chaque fois, il m'en reste pas assez, en fait. Il me faudrait un quatrième point. Attends, on va quitter. Oh, d'accord, c'est le truc lumineux sur le mur. Non, mais je comprends mieux. Je prends les munitions. Ok.